Salut, c'est un, si on peut dire, flash info général. Pour les gens qui font extrêmement confiance à tout ce qui sort des services gouvernementaux, nous avons là un avis pour un tremblement de terre de force 7,5, me semble-t-il, sur une carte de l'USGS et aucun avis de tsunami associé. C'est bien ça, force 7,5. En Indonésie. Et donc, comme vous pouvez le voir là-dessus, sur cette carte, en quart du site NOAA/National Weather Service, Service National Météo, enfin du temps, et à propos du service d'alerte des tsunamis, alors il n'y a pas d'alerte de tsunami, n'est-ce pas? Ils ont même changé la magnitude à 5,8, avec toujours aucun avis de tsunami. Et donc voici maintenant quelques images dont je préviens les âmes sensibles ou choquables qu'elles ne sont pas agréables à voir. Here is what happened to these people. Is that what we're looking at? Vous avez déjà vu le niveau d'eau, c'est la deuxième vague. Le niveau d'eau sur les cabanes qui étaient, les maisons qui étaient au bord de la mer. Et ça, c'est la deuxième. Il n'y a pas eu d'alerte de tsunami. Alors, je vais afficher là légèrement une petite partie de mes idées. Ces gens-là se moquent de nous, hein. Nous ne sommes que des investissements boursiers de naissance qui se réalisent dès qu'il y a déclaration des enfants par les parents. Nous n'avons jamais signé aucun de ces contrats. Pourtant, nous sommes considérés comme des valeurs boursières sur un certain plan qui, me semble-t-il, est géré par les lois maritimes. Voilà. Ces gens-là n'ont aucun respect pour nous, hein. Ils se moquent complètement. Il faut cesser de croire ce qu'ils nous racontent et remettre en cause les enseignements qu'on a reçus, qui ont changé au cours des années, faire des références, faire des recherches, mais bien se rendre compte qu'on nous a vendu du dentifrice bifluoré sur des dents cariées, plombées et mercurées, en plus, alors que ces trois métaux sont une catastrophe pour l'évolution humaine. Ça nous a été vendu par des gens en blouse blanche et avec le blanc-seing de l'État. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je ne peux incriminer que la faiblesse de critique de l'esprit général des gens et un certain esprit peut-être grégaire, c'est-à-dire qui suit le mouvement, dans ce sens-là en tout cas, pour expliquer un tel embourbement, enlisement dans cet état des choses, qui est une catastrophe. Nous sommes empoisonnés à tous les niveaux, mentaux, physiques, spirituels, tous. Et la nature aussi. Je finis là mon encart, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage et un brin d'humour pour au moins rire de nous. Voilà. Je n'en démords pas, ça nous garde plus de capacité de réagir et de guérir que si on fait la gueule ou si on est attristé ou même en colère. Donc, gardons le cœur haut, haut les cœurs, comme on disait. Salut!